métier, c'est écrivain avant tout. Mais depuis une douzaine d'années, j'ai créé une revue qui s'appelle Papier Nickelé sur le monde du dessin imprimé. J'ai réussi à faire quelque chose dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire une revue d'abord qui parlerait de la globalité du dessin, c'est-à-dire pas seulement la bande dessinée, mais le dessin de presse, l'illustration, la gravure, l'imagerie populaire, l'affiche, etc. Et d'en parler pour le monde entier. J'ai des correspondants dans 30 pays qui écrivent, qui envoient des articles, des gens souvent que je ne connais pas du tout, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, on ne se connaît que par mail. Et qui m'envoie des informations extraordinaires sur des dessinateurs qu'on a vraiment tort de ne pas connaître dans notre pays. Et on a fait cette revue, on a tiré 1000 exemplaires qu'on a distribués gratuitement à Angoulême. Et à ce moment-là, plein de gens ont commencé à s'abonner. Et de fil en aiguille, ça fait 12 ans, on va sortir notre 47e numéro. On est nous-mêmes totalement soufflés d'avoir fait ça, que ça tienne. Ce qui me plaît, c'est avoir un écho à participer au débat, quoi. Donc, voilà, c'est... Quand on écrit, on n'est pas content de se dire qu'on va mourir, son manuscrit est dans le tiroir, la femme de ménage va venir le mettre dans la poubelle de l'histoire. Enfin bon, on a forcément au minimum envie d'être lu et puis que ça ait un effet, quoi. Avoir du répondant. Ouais, moi j'ai bien aimé cette idée du Saut BD parce que c'était un festival des ouvrages sur la BD. Donc on connaît bien les festivals de BD pour la BD. Donc là il y avait un côté recul intellectuel qui me plaisait.